Je m'appelle Jérôme Commandeur, j'ai 40 ans et je suis humoriste, comédien et là je viens de réaliser un film. Ma famille t'adore déjà. Quels sont les trois mots qui te définissent le mieux ? Volontaire, espiègle, tout volet. Imite Marianne Chazelle. Il a un gros kiki, Félix. Si tu entends cette chanson en boîte de nuit, comment la danses-tu ? C'est un truc assez soft. C'est-à-dire qu'on l'a tellement entendu. Mais si la réponse devait être « Ah, je me défroque comme un stripteaseur et je me roule par terre, je mets mon genou derrière ma nuque et je me pends la boule à facettes », la réponse est non. Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec quelqu'un d'autre ? J'ai souvent... Vous ne seriez pas passé à la télé une fois il y a longtemps. C'est toujours valorisant. On s'allumait une cigarette et tout s'allumait et c'était la fête le 14 juillet. Ça ne sert pas tous les jours d'imiter Joe Dassin. Forcément, plus on s'éloigne de sa disparition, plus il faut remotiver un peu la mémoire. Mais un soir, un peu pété avec des copains, on peut faire du Joe Dassin. Es-tu déjà fait draguer par une star ? Je déjeune souvent avec Geneviève de Fontenay, mais c'est plus par amitié. Je ne peux pas appeler ça de la séduction. Oui, Gustav. Dis donc, tu vas faire chez les vieux ? Le hamster. Quelle chanson te fait partir en vrille ? Felicità, Eternel Superman, on va aller lontano, la Felicità, etc., etc. Quelle émission télé regardes-tu en cachette ? Jusqu'à il y a encore quelques temps, je le dis, je pouvais me faire un peu des anges. Jusqu'à quelle saison ? Oh, pas beaucoup, la 15, hein, je... Quelle est ta chanson honteuse ? Ça balance pas mal à Paris, Gaël Berger. Chante-la. Dis donc, tu veux dire s'il te plaît ? S'il te plaît. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Quelle célébrité te fait craquer ? Mélanie Bernier, très belle. Jusqu'où pourrais-tu aller pour la séduire ? Pas chez elle, comme ça. Quand on est entre le séducteur et un petit souci de transition de saison, quoi. On sent qu'on a pris froid et que ça risque de dégénérer au niveau gastrique. C'est un pole dance.